Ottawa ce matin. Un individu en délire a franchi les marches du Parlement à bord de sa Jeep Cherokee. Roger Lamoureux, 26 ans, en voulait au politicien qu'il dit posséder du démon. Voyez jusqu'où Roger Lamoureux a conduit sa Jeep Cherokee. Il s'est carrément rendu à l'intérieur de l'entrée principale du Parlement d'Ottawa. Et en sortant de son véhicule, il s'est mis à hurler des insultes aux politiciens. Il en a donné de la misère aux agents de sécurité et aux policiers de la GRC. Il frappait à coups de poing et de pied. Ça a pris près d'une trentaine d'agents pour le maîtriser. Et même ligoté et enfermé dans le véhicule policier, il a poursuivi ses ravages. Un peu plus calme, Roger Lamoureux a lancé que les politiciens sont corrompus et que le diable est présent à la colline parlementaire. Il en a fait du chemin pour transmettre ce message. L'individu a franchi ses deux séries d'escaliers avant de rester coincé à la porte du foyer du Parlement. Disons que pour les touristes qui visitaient la capitale nationale, c'est rien de rassurant. Cette femme dit qu'elle a eu très peur, qu'elle se demandait s'il allait sortir un fusil et se mettre à tirer sur les gens. Heureusement, il n'était pas armé et personne n'a été blessé. Roger Lamoureux est toujours détenu et interrogé par la GRC. Lynn Saint-Laurent, Le Grand Journal.